Merci à nouveau d'être là. Merci aux gens qui nous rejoignent pour l'après-midi. Voilà, je vous souhaite voilà, une bonne continuation de la journée et je laisse la parole à Yann Arzel-Durenmark qui va présider ce premier panel de l'après-midi. Merci Monica. Alors comme tu m'as imprudemment confié cette présidence, j'ai regagné le droit de remercier les organisatrices en la personne de Monica Cardillo et de Noémie Van Eclos qui nous réunissent ici pour un très beau panel d'intervention malgré les conditions que nous subissons. Et après que nous ayons ce matin écouter des intervenants qui nous parlaient en termes généraux et qui considéraient en somme les aspects théoriques et constitutionnels d'un redéploiement finalement de l'empire colonial français à la sortie de la guerre, eh bien nous allons dans le panel qui suit et que encore une fois pour lequel on m'a confié la présidence, en somme avoir des échos de la manière dont est reçu le projet français de reconstitution de son empire dans un certain nombre de colonies qui vont avoir des réactions diverses selon les moments et selon les lieux. Et sans plus tarder, pour ne pas prendre trop de temps de parole à ceux qui ont quelque chose à dire, je vais donc confier le micro à Monsieur Yamarsan, qui est professeur d'histoire du droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et qui intervient sur le non sénégalais en 1958 à De Gaulle, le rôle de Val Diodo Ndiaye. Monsieur Samb, professeur. Merci beaucoup, Monsieur Marc-Gaël. Je commence par bien évidemment saluer tout le monde, hein, en commençant par mon maître, le professeur Bernard Durand, qui semble-t-il être en pleine forme. Tous mes hommes en chef. Je salue également les autres éminents collègues qui interviennent cet après-midi, ainsi que tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur les réseaux. Alors, effectivement, mon intervention va porter sur le non, entre guillemets, du Sénégal en 1958 au général de Gaulle, le rôle de Val Diodo Ndiaye. Ce n'est pas un non au sens du référendum qui a été organisé, puisque finalement le Sénégal va voter oui, nous allons y revenir, mais c'est un non préliminaire qui devait augurer un non au référendum qui finalement n'est pas arrivé. Alors, dans quel contexte on se trouve? On se trouve dans un contexte où il y a la loi cadre des relations de fer de 1956 qui est en vigueur, où il y a d'ores et déjà une contestation de l'ordre colonial qui commence à prendre forme, qui est menée par les élites africaines résidant en France, les adhérents du mouvement de la négritude, du RDA, Rassemblement démocratique africain. Dofuette Boigny, etc. Donc, on est dans ce contexte-là où, en 1958, avant l'arrivée du général de Gaulle et son projet de référendum en AEF, il y a eu un congrès à Cotonou du 25 au 27 juillet 1958 de ce qu'on appelait le Parti du regroupement africain, qui fédérait à l'époque l'essentiel des élites africaines investies sur le champ politique local. Donc, on a dans ce contexte-là où il y a le congrès du PRA, Parti du regroupement africain, qui précède le projet du général de Gaulle de faire une tournée en Afrique noire pour y promouvoir son projet de référendum. Alors, ce projet-là de référendum mêlait en quelque sorte une nouvelle constitution pour la France et la création d'une communauté française d'Afrique noire. Donc, on est dans ce contexte-là, et dans le cas du Sénégal, il y a un homme qui commence à émerger, Léopold Sédar Senghor, qui était plus ou moins l'autorité morale de l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise, qui était le parti local du PRA, qui à l'époque était en quelque sorte une sorte de chantre
du refus de la balkanisation. Il n'avait pas hésité, Senghor, à dire, par exemple, à Gaston Defferre, je le cite, qu'on nous donne des jujus et des sucettes, voilà, alors que les peuples africains voulaient aller vers une indépendance fédérale. Donc, lui était plutôt favorable à une indépendance par entité fédérale plutôt qu'une indépendance par colonie qui pouvait ressembler à une balkanisation. Donc, le congrès se tient à Cotonou. La délégation sénégalaise est menée par Mamoudou Dia, le second de Senghor, qui aura l'honneur de porter la parole du Sénégal, alors que lui-même était plus ou moins de la même position, c'est-à-dire favorable à une indépendance différée, si indépendance dans l'immédiateté voulait dire une indépendance par colonie. Donc, Mamoudou Dia, bon gré, mal gré, va prendre la parole pour transmettre sa fougue et ses convictions à une majorité d'autres délégués de l'AOF et de l'AF. Donc finalement, les partis, les délégations vont se rejoindre autour de trois thèmes: indépendance immédiate, nation fédérale africaine, c'est-à-dire une unité africaine sous forme d'une nation fédérale, et ensuite, une confédération des peuples libres et égaux où pouvaient se rejoindre la France et ses anciennes colonies. Bien évidemment, la France, à cette époque, refusait d'évoquer les perspectives d'une indépendance du Sénégal, comme bien sûr des autres pays de l'AOF et de l'AIF. Et le contexte est également celui où la France commence à entendre des contestations qui se font de plus en plus vigoureuses en Algérie, notamment les événements de mai 1958. Alors, au Sénégal, depuis la loi cadre de 1956, on vivait dans un régime de semi-autonomie, avec une existence sans assise souveraine, encore moins ni reconnaissance internationale. C'est-à-dire que le positionnement du Sénégal, en réalité, ne valait que par rapport à la métropole et aux autres colonies africaines. Donc, le nouveau président du Conseil français, qui n'était pas encore président du 5e République, le général de Gaulle, fit une tournée accompagnée par le ministre de la France d'Outre-mer, Bernard Cornet-Gentil, antérieurement lui-même gouverneur général de l'AOF, et accompagné également de l'alors gouverneur général en place, Pierre Mesmer. Il devait arriver au Sénégal pour rencontrer, prendre la parole, une journée restée dans les mémoires, dite journée des porteurs de pancartes, qui eut lieu le 26 août 1958. Il faut rappeler que avant de venir au Sénégal, De Gaulle vient de la Guinée-Conakry, où il reçut cet accueil de Sékou Touré et des Guinéens, resté également dans les mémoires par leur hostilité, qui augurait là, par contre, d'une non immédiate qui a résulté de l'indépendance de la Guinée en 1958. Donc, la stratégie de l'UPS, c'est mêler l'élite qui doit recevoir le général de Gaulle à une foultitude de jeunes qui portent des pancartes sur lesquelles sont gravés les mots indépendance, immédiate, etc., etc. Alors, pourquoi Waldjo Ndiaye va prendre la parole, lui qui n'était alors que ministre de l'Intérieur de l'Assemblée territoriale? Il faut d'abord dire quelques mots sur Valdiodio. J'inscrivais sur la notice que j'ai transmise à Monica que Valdiodio était l'un des hommes dont le rôle fut essentiel dans la construction de la nation et de l'État du Sénégal et qui pourtant aujourd'hui semble tomber aux oubliettes. Au Sénégal, il n'y a qu'un lycée de sa région natale qui porte le nom de Valdiodio, alors qu'il fut ministre de l'Intérieur du Sénégal, brillant avocat, un excellent orateur, etc., etc. Pourquoi il prend la parole? Parce que ce fut un choix par défaut. Senghor, alors député, doublement concerné en tant que député du Sénégal et patron de la section du PRA, va prétexter, d'autres vont dire que c'est un prétexte puisqu'il n'y était pas obligé, de vacances en Normandie pour ne pas eu à affronter le général de Gaulle dans ces conditions-là. Donc, Senghor n'est pas là. Son numéro 2,
Mamadou Dia n'est pas là non plus. Il souffre des yeux, semble-t-il, là aussi, version contestée. Donc, il doit voyager en Suisse. Il reste alors le choix de Valjoy Ndiaye, qui va être choisi par l'UPS pour faire face à la défection et l'absence de Senghor et de Momodou Dia. Il est choisi et il va adresser un discours par sa tonalité, par sa conviction, par son émotion qui est restée dans les mémoires des Sénégalais. Le discours eut lieu à ce qu'on appelle actuellement la place de l'indépendance, qui s'appelait alors la place Protée, du nom de l'ancien gouverneur, place Protée. Il y a une foule dense, il y a les tam-tams qui battent, mais il y a également les jeunes de l'UPS et du Parti africain de l'indépendance qui ont de nombreuses pancartes, qui n'hésitent pas à huer, à créer un tohu-bohu qui ne plaît pas au général. Et d'ailleurs, lorsqu'il prend la parole pour répondre au discours de Valjoy, le général, surpris par cet accueil, va commencer par dire: je m'adresse aux porteurs de pancartes. Je m'adresse aux porteurs de pancartes. Alors que, avant les porteurs de pancartes, il y a eu cette prise de parole de Valjoy Ndiaye, avec des mots prononcés avec brio, un art oratoire qui traduisait le talent à la et la conviction du porte-parole du jour, visiblement ému, conscient de porter la légitime aspiration du peuple sénégalais, voire des peuples d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de citer une partie de son discours. Nous disons indépendance d'abord. En nous fixant comme préalable, nous ne faisons qu'interpréter l'aspiration profonde de tous les peuples d'Afrique noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale. L'indépendance est un préalable, elle n'est pas une fin en soi. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Il faut se rappeler que c'est important qu'on est dans un contexte où l'Organisation des Nations Unies a vu le jour, qu'il y a la conférence de Bandung avec les non-alignés, les États-Unis qui sont anticolonialistes, donc les Africains, par le biais du PERA, veulent une indépendance immédiate. Immédiate. Donc, à son discours, il y a eu une réaction extrêmement bruyante de la foule, extrêmement heureuse, extrêmement fière. Alors, le général n'est pas content. L'on raconte que après la prise de parole, il intervient très rapidement. Il demande au gouverneur général de regagner la gouvernance. Il râle, il le reproche de ne pas avoir été bien renseigné. Et dès le soir même, il prend son avion pour rencontrer à Dakar. Qu'est-ce qui se passe? On se dit que devant cet enthousiasme suscité par Valjoy Ndiaye, la réception de son discours, on est en droit d'attendre, comme en Guinée, un résultat négatif au référendum. C'est mal connaître les ressorts dont peut faire preuve l'administration coloniale. Il ne faut pas oublier que à cette date, toute cette chefferie locale était encore en place, cette chefferie religieuse était encore en place. Donc le gouverneur général, très rapidement, va convoquer tout ce beau monde à Dakar, chefs de canton, chefs de religieux, en leur disant: vous voyez ces jeunes qui ont humilié le général, après le général, ce sera à votre tour. Vous serez très bientôt remplacés par des fonctionnaires. Et ces derniers, notamment, naturellement, ne voulant pas perdre leur privilège, une sorte d'ancien régime, va appeler toutes ces personnes qui sont sous leur responsabilité, des chefs de canton, des chefs religieux, à voter en faveur du référendum. On se retrouve du coup avec un résultat largement positif, avec un nom qui ne recueille que 7 000 voix. 7 000 voix seulement. Par conséquent, le général est content, il revient à Dakar. Quelques mois plus tard, il y a des haies de jeunes femmes et d'enfants qui chantent,
Il y a des courses de pirogues, on l'invite à Saint-Louis pour remettre des médailles, assister à des courses de pirogues et le projet d'indépendance est différé. Par contre, le Sénégal, partant de cet enthousiasme nouveau vers l'autonomie, va saisir cette occasion pour négocier la constitution de la Fédération du Mali entre le Sénégal et l'ancien Soudan français. Fédération qui malheureusement n'a pas pu vivre très longtemps en raison naturellement des dissensions qui existaient entre Modou Keïta, président de l'Assemblée du gouvernement, et Léopold Sédar Senghor, président de l'Assemblée territoriale. Je crois que j'ai épuisé, monsieur le modérateur, mon temps de parole. Voilà ce que l'on pouvait dire de Wadio Ndiaye ainsi que du contexte qui a prévalu lors de la visite du général de Gaulle à Dakar le 26 août 1958. Et naturellement, ce sont des éléments que nous pourrons développer et remettre aux organisatrices. Je vous remercie pour votre attention. Pardon, j'avais oublié de réactiver mon micro. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez été d'une ponctualité absolue et je vous en suis très reconnaissant. Vous nous avez présenté un propos tout à fait détaillé sur une période que je ne connais que très indirectement, car mes grands-parents étaient en Côte d'Ivoire et au Sénégal à cette période-là. Mais cela résonne évidemment dans mon histoire familiale. Néanmoins, nous ne sommes pas là pour mon histoire familiale. Aussi vais-je immédiatement passer la parole au professeur Roger Coudet, qui est professeur HDR titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité de l'Université catholique de Lyon. Et monsieur Coudet va nous parler d'une relecture du rejet de la communauté française par la colonie de Guinée et son indépendance en 1958, question que nous avons évoquée déjà ce matin au cours de nos échanges. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, avec votre permission, exprimer également mes remerciements aux organisateurs, à l'institution organisatrice, donc l'Université de Lille, la Faculté de droit. Mais je voudrais aussi exprimer mes remerciements plus particulièrement à celle qui est le porteur, la porteuse du projet, Monica Cardillo. Je voudrais la remercier et la féliciter de la tenue de cet événement dans ces circonstances un peu particulières. La remercier aussi de m'avoir donné la possibilité de prendre part à cette manifestation scientifique. Et en remerciant Monica, je ne puis m'empêcher de remercier celle qui est pleinement associée à ce projet, à savoir Noémie, Madame Noémie Delhi Vaniclo, pour tout le travail qu'elle a abattu pour rendre possible la tenue de cet événement. Alors, je voudrais, même si le temps qui m'est imparti est assez bref et c'est valable pour tout le monde, je voudrais néanmoins prendre une minute, ne serait-ce que ça, pour remercier la collègue qui est intervenue ce matin, bah, elle spécialement parce qu'elle est intervenue sur une question qui me tient à cœur, puisque je suis originaire du Tchad. Elle a parlé de Félix Eboué, elle a parlé de la contribution de l'Afrique équatoriale française à la libération de la France, etc. Donc, je voudrais vraiment la remercier parce que on parle très très peu de l'Afrique centrale par rapport à cette période, par rapport à sa contribution, notamment à la libération de la France. J'ai rien contre mes amis sénégalais, le professeur Sam me suit. Quand on parle des tirailleurs sénégalais, c'est un terme générique hein, qui désigne l'ensemble des forces africaines qui ont participé à la libération de la France, en tout cas aux côtés de la France. Et je disais que je suis du Tchad. Le Tchad est la première terre africaine à avoir rallié le général de Gaulle au lendemain du fameux accord, fameux appel de Londres. Et c'était justement par la voix du gouverneur Félix Eboué. C'est aussi à partir du Tchad qu'est partie la fameuse colonne Leclerc qui va arriver jusqu'à Strasbourg, libérer Strasbourg et même Paris, aller jusqu'en Allemagne, etc. Les troupes des troupes Leclerc, qui sont connues aussi pour le fameux serment de Koufra,
le serment par lequel ces soldats africains se sont engagés aux côtés, bien sûr, des autres, qui des Français, se sont engagés à ne jamais déposer, à ne pas déposer leurs armes tant qu'ils n'auront pas vu le drapeau français flotter sur la cathédrale de Strasbourg. Promesses qu'ils vont tenir, etc. Et je termine en disant que sur les 50 soldats africains que le président Macron a proposés dans le cadre de ce travail de mémoire pour qu'ils soient honorés, sur les 50, sur la liste des 50, il y a 10 qui sont originaires du Tchad. Voilà. Et pour terminer vraiment, je suis un ancien élève du lycée Félix Éboué à N'Djamena. C'est de là que je suis parti. Donc, vous voyez, ça m'a beaucoup touché d'entendre tout ce que j'ai entendu ce matin au sujet de Félix Éboué, au sujet de la contribution de l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale française, à la libération de la France, etc. Je ferme cette parenthèse un peu personnelle pour revenir à la question qu'il m'est donné de traiter, à savoir la relecture du régime de la communauté française par la colonie de Guinée et son indépendance en 1958. Donc, quand on parle des grands événements, il y a bien évidemment les principaux acteurs, les grands hommes qui ont mené ces événements, leurs œuvres, etc. Mais il y a aussi le contexte, c'est-à-dire l'opportunité du moment. Et en parlant des indépendances africaines, cela a été en grande partie évoqué ce matin d'ailleurs. Il y avait une succession d'événements qui vont rendre inéluctable, irréversible cette indépendance ou ces indépendances africaines. Et du coup, notre communication va mettre l'accent sur un certain nombre d'événements. Nous avons fait une sélection, hein, bon paquet, mais nous avons sélectionné un certain nombre d'événements d'un point de vue géopolitique qui vont être déterminants dans ce processus de décolonisation, et l'exemple guinéen en est un. Ça sera la première étape de notre raisonnement, de notre analyse. La deuxième étape va consister à se pencher un peu sur l'impact de cet événement, c'est-à-dire cette indépendance guinéenne avant les autres colonies françaises d'Afrique. C'était un an et demi à peine, hein, avant les autres. Donc, voir en quoi cette indépendance guinéenne ou ce nom guinéen va impacter, disons, l'empire colonial français à la fin des années 50. Nous allons bien évidemment terminer par quelques hypothèses conclusives pour essayer d'explorer là encore quelques pistes de compréhension de ce nom au-delà de l'indépendance qui en est la conséquence immédiate. Donc, première étape de notre analyse, le contexte géopolitique de l'époque et en quoi ce contexte-là va être déterminant dans le processus de décolonisation globalement, le cas de la Guinée spécifiquement, le cas guinéen qui nous intéresse ici spécifiquement. Alors, ce contexte géopolitique d'alors peut lui-même être décliné à trois niveaux d'analyse. D'abord, le niveau mondial, avec la création, pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, d'une organisation à vocation véritablement mondiale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. On a eu la Société des Nations, mais nous savons tous que la Société des Nations n'avait ni l'ambition, ni les moyens disons, de l'ONU en 1945. Donc, l'émergence de l'ONU, avec le projet porté par l'ONU, va être un élément important dans la compréhension de ces événements, des événements qui vont suivre, c'est-à-dire dans les années 50 et 60, notamment pour ce qui concerne les empires coloniaux. Deuxièmement, c'est le niveau africain. C'est-à-dire que dans les années 50, déjà, il y avait quelques États africains qui vont accéder à la souveraineté internationale. Et cela n'était pas sans conséquence sur le reste en fait, du processus, sur l'évolution du processus qui va aboutir dans les années 60 à cette vague d'indépendance, en particulier, disons, des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et puis, le niveau national guinéen a couplé peut-être avec le niveau, on va dire, sous-régional. C'est-à-dire que la Guinée fait partie de cette sous-région, c'est-à-dire le golfe de Guinée. Or, historiquement, nous savons que
Le golfe de Guinée, depuis au moins un siècle déjà, était un lieu d'agitation politique, notamment était un lieu par excellence du panafricanisme dans des pays comme le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, etc. Nous allons y revenir tout à l'heure. Donc, ce sont les trois niveaux que nous voulons explorer pour parler de ce contexte et en quoi ce contexte a-t-il été favorable à la décolonisation et notamment de la Guinée. Le système onusien, en se fondant sur l'autorité de la charte de 1945, prône le droit des peuples à l'autodétermination. C'est l'une des grandes nouveautés, disons, du moment. Le droit des peuples à l'autodétermination, mais la charte de l'ONU proclame aussi la foi des peuples des Nations Unies dans la dignité et la valeur de la personne humaine sur une base universelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système qui, comment dire, qui hiérarchisation, les libertés, les droits dont il est question dans la charte de l'ONU étaient valables pour les peuples et les personnes du monde entier. D'ailleurs, la charte déjà proclame l'égalité entre les hommes, dont les hommes et les femmes, sans distinction. Un principe qui va être plus tard matérialisé, concrétisé avec l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la charte proclame aussi l'égalité des peuples et des nations grandes et petites. Et donc, tout cela, on peut aller en rechercher les origines, si on veut, dans la fameuse Déclaration des Nations Unies, ou bien qui n'a rien à voir avec la charte des Nations Unies, mais qui va préparer le terrain, ou encore la fameuse charte de l'Atlantique, où ces questions ont été évoquées plus ou moins déjà. Alors, les années qui vont suivre la création de l'ONU seront marquées par l'adoption, entre autres, d'un certain nombre de résolutions qui vont aller dans le sens du droit des peuples à l'autodétermination, les résolutions adoptées dans les années 50, 60, 70, et la plus emblématique de ces résolutions est sans doute la fameuse résolution 15-14-15 du 14 décembre 1960, qui va clairement appeler au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc appeler les puissances coloniales à reconnaître le droit d'accès à la souveraineté internationale de leurs colonies. Un autre événement marquant à cette période-là, c'est certainement la fameuse conférence de Bandung de 1955, qui va être un événement marquant pour les peuples sous domination coloniale, et ces peuples, c'était des peuples d'Afrique et d'Asie, bien évidemment. La conférence de Bandung va prendre appui sur l'autorité à la fois de la charte de l'ONU et de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour exiger la reconnaissance des droits des peuples d'Afrique et d'Asie à accéder à la souveraineté internationale, donc la reconnaissance de leurs droits considérés comme fondamentaux, en fait inaliénables. Alors, je disais tout à l'heure que il y a le contexte global que j'ai essayé de dire, situé ici rapidement, mais il y a le contexte continental, africain. Au moment de la création de l'ONU, il n'y avait que quatre États africains qui étaient souverains, c'est-à-dire historiquement l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, le Libéria, fondé en 1847 par des descendants d'esclaves venus d'Amérique, l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'était les quatre seuls États africains souverains et qui étaient présents au moment de la création de l'ONU. Or, juste après, c'est-à-dire la décennie 50, verra l'accession à la souveraineté internationale tour à tour de la Libye 1951, le Maroc 1955, la Tunisie 1956, le Soudan 1900, Soudan anglo-égyptien, comme on disait à l'époque, hein, donc l'actuel Soudan, parce qu'il y avait aussi le Soudan français, donc le Mali. Alors, je parle du Soudan anglo-égyptien ou du Soudan le Soudan oriental, qui va accéder à la souveraineté internationale en 1956, et surtout le Ghana voisin de la Guinée, qui va accéder à la souveraineté internationale en 1957. Donc, ces indépendances successives, hein, des États africains, autres que les quatre qui étaient déjà présents à la création de l'ONU en 1945, ne va pas être sans conséquences sur le reste du continent. Mais
J'ajouterai, toujours en citant quelques événements, j'ajouterai un événement qui va être déterminant, non seulement pour l'Afrique et pour l'Asie, le Proche-Orient en particulier, mais aussi qui va être déterminant par rapport à l'avenir des empires coloniaux et les deux principaux empires coloniaux les plus importants de l'époque, à savoir l'empire colonial français et l'empire colonial britannique. C'est sans doute la crise, la fameuse crise du canal de Suez de novembre 1956. Alors, je ne vais pas rappeler les détails, mais je vais m'intéresser tout de suite immédiatement aux conséquences de cette crise du canal de Suez. Alors, bien évidemment, nous savons que c'est sous la pression de la grande, qu'est-ce que j'ai dit, des États-Unis et de l'Union soviétique. C'est l'une des rares questions sur lesquelles les deux grandes puissances pouvaient s'entendre. On était en pleine guerre froide. Mais sur cette question-là, il y avait une sorte d'entente entre les deux superpuissances du moment pour mettre la pression sur la Grande-Bretagne et sur la France, mettons de côté Israël, qui était aussi l'un des acteurs de cette crise, et la Grande-Bretagne et la France vont céder. Et ces deux États vont se retirer. Et cette défaite diplomatique de ces deux grands empires coloniaux va être inversement perçue comme un triomphe politique et diplomatique de l'Égypte, de Nasser, malgré sa défaite militaire, parce que militairement, l'Égypte a aligné environ 70 000 hommes face à environ 350 000 hommes des forces coalisées contre elle. L'Égypte ne pesait pas grand-chose militairement, mais n'empêche que la victoire diplomatique et politique était là, et l'Égypte de Nasser va capitaliser cette victoire et en faire un atout dans sa stratégie internationale, que ce soit en Afrique même, au Proche-Orient, etc., etc. N'oublions pas que l'Égypte soutenait déjà le Front de libération nationale en Algérie, par exemple, dont la victoire diplomatique de l'Égypte va galvaniser, renforcer les positions du FLN, va renforcer la position aussi des pro-nassériens en Irak, par exemple, qui vont faire une révolution, un coup d'État en 1958 pour prendre le pouvoir, etc. Et donc, cette crise du canal de Suez va être un élément, un événement un peu marquant dans ce contexte-là, en ce sens qu'il va, cette crise va marquer aussi symboliquement la fin de la domination de l'Europe dans le monde. C'est-à-dire, l'empire anglais-britannique, par exemple, cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, et le second empire le plus important, c'était l'empire français. Dans défaite diplomatique en Égypte va symboliquement, et l'Union soviétique comme les États-Unis vont montrer clairement que désormais qu'ils étaient eux les maîtres du monde. Ce n'était plus la Grande-Bretagne, ce n'était plus la France, ce n'était plus les pays européens, c'était eux les maîtres du monde. Et donc, tout cela va avoir une certaine incidence par rapport aux forces anticolonialistes sur le continent africain qui se battaient pour accéder à la souveraineté internationale, conjuguée aux autres facteurs. Ils voyaient bien que ces grandes puissances-là étaient néanmoins vulnérables et que si l'Égypte de Nasser, en dépit de sa faiblesse militaire, pouvait gagner sur le plan diplomatique, eh bien les autres pays, en tout cas les autres entités politiques, notamment ces colonies-là, pouvaient tout à fait espérer faire entendre leur cause au plus haut niveau, et surtout quand on sait que les deux grandes puissances que je viens de citer, l'Union soviétique et les États-Unis, pour des raisons tout à fait différentes, étaient néanmoins opposés tous les deux à la colonisation. Donc, il y avait quelque Monsieur chose. le professeur, voulez-vous m'excuser cette grossièreté de vous interrompre? En réalité, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Est-ce que si je vous donne 5 minutes, vous pouvez compléter votre propos? D'accord. Mais je ne pourrai pas vous en donner plus. Ça veut dire que j'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti? Absolument, oui. Ah bon? Oui, nous avions 15 minutes et voici plus de 17 minutes. Ok, d'accord. Je Dans suis ce navré, cas, c'est effectivement un format non, il n'y a court, pas de mais... problème. C'est moi. Ok, dans ce cas, je vais aller droit au but alors, sans être Marseillais pour autant. Je vais aller droit au but.
Le contexte guinéen, je le dis rapidement. Alors, je disais que la Guinée est un pays à proximité géographique de ce centre d'agitation politique qu'étaient les pays du Golfe, hein, que j'ai cités, le Ghana, la Sierra Leone, le Liberia, etc., en termes d'activité politique panafricaniste. Mais la Guinée revendiquait déjà son passé de peuple de résistant à la pénétration occidentale, et notamment française. Je le dis en une seule phrase et je continue. N'oublions pas que Samoury Touré a résisté 17 ans quand même à la présence française dans cette région, pas seulement la Guinée actuelle, mais jusqu'aux portes de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels les Guinéens pouvaient déjà s'appuyer et avoir une certaine fierté pour résister ou en tout cas vouloir retrouver leur indépendance. Alors, très rapidement, l'impact de cette rupture de la Guinée, ça a été dit ce matin, c'était un acte fondateur de l'indépendance guinéenne, mais en même temps, si la Guinée, qui n'était pas forcément la plus grande colonie d'Afrique, avec les moyens et qui étaient les siens, pouvait réussir cette opération politique, les autres ne pouvaient pas ne pas être intéressé par une même démarche, même si la méthode va être différente d'ailleurs. Et pour preuve, je disais tout à l'heure que juste un an et demi après l'indépendance de la Guinée, les autres États africains, les autres colonies africaines vont accéder presque toutes à l'indépendance, avec bien sûr l'exception algérienne qui, nous savons, est un cas à part. Alors, je n'aurai pas le temps de dire tous les détails que j'avais prévus, c'est-à-dire sur le pourquoi de ce rejet, parce que c'est quand même l'élément, le pourquoi de ce rejet. Mais en même temps, j'ai été devancé en grande partie ce matin par, je crois que c'était le professeur Turpin, qui a donné le sens et le contenu de la communauté, de ce projet politique qui a été rejeté, parce que grosso modo, on va résumer au travers de cette lecture, à savoir que ce projet faisait en quelque sorte les affaires de la métropole, de la France, qui restait souveraine, alors qu'il y avait une aspiration de ces colonies d'accéder elles-mêmes à la souveraineté internationale. Donc le projet n'était pas équilibré de ce point de vue. Et donc, n'arrangeait pas tout à fait les intérêts de ces colonies. Et du coup, ce projet ne va pas durer longtemps, puisque à partir de 1960 et surtout 61, il n'y avait pratiquement plus possibilité de parler de la communauté. Alors, je suis obligé de conclure, mais je répondrai aux questions tout à l'heure si besoin. Ce que je voudrais dire, puisque le sous-thème, c'est se rapprocher ou s'éloigner. Alors, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que ce nom de 1958, du 28 septembre 1958, d'après ma compréhension, ce n'était pas un nom à la France, c'était un nom à la colonisation française, ce qui est une nuance. La Guinée n'était pas opposée en tant que telle à la France. La Guinée était opposée à la colonisation française, c'est-à-dire la prolongation de la colonisation française. Il y avait une urgence pour la liberté, ce que Sékou Touré va exprimer avec sa personnalité. Deuxièmement, ce n'était pas un nom au général de Gaulle. Le général de Gaulle était un homme respecté sur le continent africain, dans presque toutes les colonies. Même Sékou Touré, qui était son adversaire, reconnaissait en lui un grand homme, un homme de principe, mais un adversaire politique. Mais la Guinée n'était pas opposée au général de Gaulle, elle était opposée au projet politique proposé par le général de Gaulle, ce qui est une nuance là également. Et d'ailleurs, Sékou Touré n'a cessé de dire tout au long de sa vie qu'il n'était pas contre le général de Gaulle, que c'était son adversaire politique, bien avant même l'indépendance, en fait, le nom de 1958, ils étaient déjà politiquement des adversaires. Hein, ici, en France, à l'Assemblée, disons, puisque Sékou Touré était un élu français, on va dire. Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que ce n'était pas non plus un nom au lien avec la France,
puisque ces liens, la Guinée va les garder, même durant la période où il y avait de fortes tensions politiques entre la Guinée de Sékou Touré et la France. La Guinée va continuer de préserver ses liens historiques avec la France, symboliquement. La plupart des États, tous d'ailleurs, les États africains, les anciennes colonies africaines, les anciennes colonies françaises d'Afrique vont accéder à la souveraineté en choisissant toutes comme langue officielle le français. Elles n'étaient pas obligées. Et la première à l'avoir fait, c'était bien évidemment la Guinée. La Guinée, en fait, je parle là de l'Afrique subsaharienne. La Guinée va, même en marquant cette rupture avec la France, va maintenir le français comme la langue officielle du pays. Et mieux, et Sékou Touré va le dire à plusieurs reprises, au moment où la tension était forte entre les deux pays, la Guinée était sanctionnée, on va dire les choses clairement, la Guinée était sanctionnée. La Guinée dit avoir continué de promouvoir la langue française pendant cette période de crise. Pourquoi? Parce que la Guinée va se tourner du côté du bloc soviétique vers les pays communistes et les coopérants de ces pays de l'Est qui venaient en Guinée ne parlaient pas français. Et c'est la Guinée qui va les former en français, qui va leur permettre d'apprendre le français pour servir la Guinée. Et donc, la Guinée va être un vecteur de promotion, un moyen de promotion de la langue française dans les pays de l'Est qui n'étaient pas nécessairement des pays francophones. Ça, les Guinéens, parfois, ils le disent avec une certaine fierté pour dire que, ben, en réalité, nous n'avions rien contre la France. Au contraire, nous étions des francophones et nous étions fiers de l'être. Par contre, ce que nous ne pouvions pas accepter, c'est d'être toujours sous domination étrangère. Et c'est ce que Sékou Touré va dire dans son... Merci, merci, professeur. Merci. Je suis navré de devoir vous interrompre. C'est évidemment très frustrant et je comprends bien qu'il y a de nombreux éléments de contexte qu'il faut convoquer en somme pour comprendre ce nom de 1958. Mais vous l'avez très très clairement dit. C'est un nom qu'il faut lire comme une volonté d'indépendance propre. Et qui ne constitue pas une rupture avec la métropole en tant que telle, si j'ai bien compris, ni avec sa langue. Donc je suis navré, j'espère que les questions permettront d'approfondir ou de préciser les éléments que vous n'avez pu dire. Je vais sans tarder passer la parole au professeur Bernard Durand, professeur émérite à l'Université de Montpellier, qui nous entraîne sur un autre continent, puisqu'il va intervenir sur le sujet suivant, un naïf au Vietnam entre décolonisation avortée et indépendance conquise. Monsieur le professeur, vous avez 15 minutes et vous savez que je serai sans pitié, comme il se doit pour un spécialiste de la Révolution. Nous tranchons. Voilà, Président, n'hésitez pas, coupez-moi, j'arrêterai, c'est pas grave. Merci. J'ai toujours, quand je fais ce type d'intervention, j'ai toujours sous moi trois façons, soit l'article qui fait 35 pages, soit la conférence traditionnelle qui peut faire trois quarts d'heure, et puis finalement quelques mots que je mets et qui me permettent d'aller très très vite. Alors je voudrais quand même dire ce côté qui semble provocateur, un naïf au Vietnam, et évidemment quand Monica m'a demandé de faire quelque chose, j'ai dit pourquoi pas. Je ne savais pas trop, je n'allais pas repartir sur l'Afrique. J'ai dit, tiens, pourquoi pas l'Indochine? Parce que je savais, des tas de raisons qui tiennent aux travaux que je fais maintenant en matière internationale, parce que je crois qu'on ne peut pas lier colonisation et on ne peut pas ne pas lier colonisation et internationale, et pareil, décolonisation et internationale. Donc il faut que tout ça soit lié. Et donc j'ai pensé à ça. Et pourquoi naïf? Mais non, mais le naïf, c'est pas De Gaulle. Le naïf, c'est moi, puisque en 94, on est venu me voir, alors que je faisais passer un concours d'entrée à l'ANM, on a frappé à la porte de mon studio, et puis quelqu'un que je connaissais du ministère m'a dit, est-ce que tu connais quelque chose au Vietnam? Et alors j'ai dit, ben, pas plus, non, j'avais pas de lien avec le Vietnam, j'avais pas... Bon. Et donc il m'a dit, ben, tiens, notre homme, tu seras à la tête d'une délégation, parce qu'il y a un membre qui est marié avec une Vietnamienne, un autre qui a travaillé avec le Viet Minh, etc. Et donc, tu pars au Vietnam pour 3 semaines et tu vas rencontrer tous les centres de recherche, toutes les universités, faire une analyse, voir un petit peu ce qui peut être amélioré et faire un rapport. Donc, j'ai fait tout ça.
Et c'est là que je me suis dit, d'ailleurs, je vous mets toute la liste, vous pouvez la promener, c'est simplement pour vous dire toutes les entrées possibles, parce que là, vu le peu de temps qui m'est donné, je vais me mettre un petit peu dans la situation d'un juge d'instruction qui analyserait pas seulement, au fond, ce qu'était le général, ce qu'il voulait, ce qu'était la situation, mais aussi ses adversaires, à savoir, finalement, comment chacun voyait la question du Vietnam en particulier. Alors, moi, je dois dire quand même que dans le mot naïf, il y a deux significations. Il y a le naïf candide, celui qui dit, après tout, je ne connais pas grand-chose au Vietnam. C'est ce qu'a dit d'ailleurs ceux qui connaissent le général de Gaulle, hein, qui disent qu'il ne connaissait pas grand-chose de l'Indochine, ça ne lui parlait pas au cœur, ça ne lui parlait pas aux entrailles. Et donc, en partant de là, je me dis, bon, ben voilà, comment, en peu de temps, parce qu'il ne faut pas oublier les choses, le 20 janvier 1946, il n'est plus au pouvoir. Et il n'y reviendra qu'en 1958. Par conséquent, en très peu de temps, il a dû prendre connaissance de cette Indochine. Il avait manifestement une meilleure connaissance de l'Afrique. Et je me suis posé la question dans cette enquête, eh bien, quelles étaient les entrées que je pouvais regarder, voyez, et voir un peu qui était, au fond, qui était le général. Donc je me suis mis à lire tout ce que les gens, enfin pas tout, parce que c'est énorme, mais tout ce que les gens disaient du général, de finalement ce sphinx qui prend la parole ou cultive les silences, savoir un petit peu quels étaient les oracles qu'il rendait. Et je crois que c'était intéressant parce que je me suis rendu compte que, en travaillant sur le Vietnam, peu à peu, je voyais se profiler chez ses adversaires des gens qui se voyaient et qui voyaient les choses un peu de la même manière. Notamment, je parle d'Ho Chi Minh. Alors pourquoi d'Ho Chi Minh? Parce qu'il se trouve, je n'ai pas rencontré Ho Chi Minh, mais j'ai parlé longuement avec Phan Van Dong, j'ai rencontré longuement celle qui avait été la ministre du Viet Minh, j'ai parlé à des combattants du Viet Minh, et j'ai découvert, sur le tard d'ailleurs, que j'avais un parent assez proche de ma mère qui était légionnaire et qui a fait ses mémoires au Vietnam et qui racontait un peu ces choses-là. Et donc, la manière dont il voyait les choses, très rapidement, je me suis rendu compte qu'autour de lui, il y avait des gens, René Mesmer, qui déjà lui expliquaient que c'était terminé, qu'il fallait avoir une autre position. Et un jour, il a dit à Mesmer, ce n'est pas ma politique, donc il a tranché en quelques mots. Mais voilà, si vous voulez, c'est ce premier bilan que je voulais dresser, que je dresserai dans l'article, qui était un petit peu la personnalité, quelle est cette personnalité un peu du général. Et puis aussi, quand même, dans l'enquête, il y a un héritage. Et là, je dois dire que ça n'est plus le candide, parce que l'héritage de la Troisième République, c'est manifestement, dans le mot naïf, c'est manifestement le manque de perspicacité. Alors vous voyez, il y a plusieurs entrées dans le manque de perspicacité. Moi, ce que je vois, c'est que après la Première Guerre mondiale, on est dans une zone quand même qui est considérablement mangée par le Japon. Et donc vous avez tout ce jeu du Japon. Vous savez combien il jouera un rôle important en Indochine, je ne vais pas le développer. Je pense que la France a été incapable d'utiliser les élites qui étaient formées d'ailleurs à la langue française, au progrès. On a fait une comptabilité de ceux qui suivaient les écoles, c'est considérable par comparaison avec les autres territoires colonisés. Vous avez, je crois, dans les années, quand on arrive à la bataille de Dien Bien Phu, vous avez 484 médecins vietnamiens, vous avez des centaines, et puis cette sorte d'appel de la culture française. Et donc, il y a cette ignorance de l'utilisation de ces gens qui sont formés, d'ailleurs à la langue, qui sont formés même à l'esprit français, et qui en même temps essaient de faire le lien entre ce que apprend la France et ce qui correspond à leur nature profonde, leur histoire, c'est-à-dire leur résistance d'abord à la Chine, et également le fait de cette position confucéenne profonde sur laquelle je vais
Je vais reparler. Et puis, que nous dit la Troisième République, de ce qu'on voit de la Troisième République, c'est cette... Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est une Indochine modernisée. Alors, modernisée peut-être sur le plan matériel, modernisée à coup sûr sur le plan politique. C'est-à-dire que vous avez des Vietnamiens qui s'intéressent à la politique, vous avez des sociétés secrètes, vous avez les caudaïstes, vous avez les confucéens, vous avez tous ces gens qui ont une activité de propagande, qui parlent de patrie, qui, déjà à cette époque. Et à côté de ça, vous avez une répression, à mon avis, aggravée, accrue par rapport à d'autres pays, qui fait que les bagnes, je sais parce que j'en avais parlé au Vietnam avec d'anciens du Viet Minh, les bagnes sont remplies d'opposants, de révolutionnaires, qui finalement, vous le savez, c'est un peu l'effet des prisons, on le constate de nos jours, l'effet des prisons, ça a toujours un effet négatif, c'est-à-dire que ça leur permet de se regrouper entre eux. Mais quand j'étais à Hanoï aux archives, j'ai trouvé des documents où on voyait bien que il y avait en sous-main une sorte de propagande permanente. On allait dans les villages, on créait des écoles qui n'allaient pas dans le sens, évidemment, du maintien de la colonisation. Et donc, c'est toutes ces menées, si vous voulez, ces factums qui circulent, qui me font dire que là, l'héritage donné au général de Gaulle, qui lui a des préoccupations majeures, il essaie de se faire admettre. Et si vous avez vu les films récents sur le général de Gaulle, c'est très bien vu. C'est-à-dire cette idée qu'il faut convaincre les Anglais que la représentation de la France, c'est lui. Et donc, partout où il peut afficher que le territoire à récupérer appartient au parti qu'il représente, eh bien là, le pauvre, il est en situation délicate parce qu'effectivement, pendant toute la période et jusqu'en 1945, eh bien, l'Indochine est sous cloche. L'Indochine est sous cloche. Vous avez l'amiral de Cour, et vous avez un amiral de Cour, enfin vous connaissez tous ce procès qui a été fait à l'amiral et qui s'est terminé par un non-lieu. De Gaulle lui a beaucoup reproché de ne pas avoir résisté, à quoi l'amiral dit, mais moi, résister, oui, mais toute la zone est occupée, la mer est occupée par les Japonais qui bloquent tout, tous les autres territoires, les Anglais sont partis, les Thaïs sont contre nous, le Siam est contre nous, et peu à peu, c'est vrai, vous allez avoir 20 000, puis 75 000 soldats japonais qui tiennent le pays. Et là, on est dans le legs, on est dans le legs, et je ne veux pas durer trop longtemps, on est dans le legs, parce que, au fond, les révolutionnaires vietnamiens vont se rendre compte que, plutôt que de leur vendre la République, l'amiral de Gaulle leur vend, au fond, le travail, la famille et la patrie. Et donc, ça correspond parfaitement au langage des Vietnamiens, de l'opposition, qui parle de patrie, qui parle de et ça va très très loin, parce qu'on finit par assimiler, vous avez des tas d'ouvrages qui assimilent Ho Chi Minh, ou plutôt Confucius et Pétain. Voilà, c'est la famille, oui, bien sûr, c'est ça qui est important. Bon, je l'ai développé, ça, c'est très très intéressant. Et donc, peu à peu, vous avez au fond ce travail que fait la colonie pour ces gens qui disent, mais finalement, bon, c'est parfait, et nous, c'est pas la République. Et je vais revenir sur Confucius, parce que je pense que là, De Gaulle l'a pas compris. Et puis, vous avez aussi chez De Gaulle, je termine par là sur cette période, mais vous avez chez De Gaulle quelque chose d'extraordinaire. C'est à cette époque qu'il a développé au Vietnam, moi-même je me souviens tout jeune, les professeurs de gym me faisaient faire de l'hébertisme, eh bien il a développé l'hébertisme et il a finalement eu un succès extraordinaire. Les terrains de sport ont été multipliés, tous les Vietnamiens qui sont nationalistes ou communistes se sont précipités vers les terrains de sport, ils se sont entraînés, et si vous n'avez pas, bon, je sais parce que j'ai été éduqué physiquement comme ça, si vous pratiquez l'hébertisme, vous marchez à quatre pattes à toute vitesse, vous rampez, etc. Et donc les Vietnamiens riaient, moi ce que j'ai rencontré riaient parce qu'ils disaient, mais là on a été bien entraînés par les Français à pratiquer ces sports qui nous ont permis finalement de vaincre. Alors, voilà, je ne regarde pas la montre, je ne sais pas où j'en suis. Ça va, je peux encore parler un peu? J'avais encore 5 minutes. Oui, ben c'est parfait. Voilà. Et puis après, donc, en deux fois, je, 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 je,
je développerai à la fois la vision de De Gaulle en très peu de temps en tant que général, en tant que connétable, voilà. Et puis le dernier temps, lorsqu'il est chef d'État, lorsqu'il a été, il a réglé l'affaire algérienne, il y a une sorte de révolution mentale qui s'est produite en lui, et là il envoie des diplomates aux Américains pour dire mais non, mais arrêtez de donner, c'est pas des communistes, ce sont des nationalistes, et il va avoir des discours, je pense notamment quand il parle en Hollande, quand il parle au Cambodge, il va avoir des discours. C'est vrai qu'il a reconnu la Chine, il a fait un retour en Asie, et il va avoir des discours qui lui permettent de renouer avec Ho Chi Minh, de dire, d'avouer à Ho Chi Minh que finalement, on voit bien qu'il a, il se met en responsable, et il donne l'impression, même plus qu'une impression, je ne peux pas vous citer tout ça, mais il donne l'impression de, finalement, que oui, on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire les choses autrement, et que, voilà, il faut arrêter, et donc, il rompt avec Saigon, et il reconnaît pleinement à la fois l'unité du Vietnam, parce que c'était ça, en tant que général qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est-à-dire que Ho Chi Minh disait, si, nous, ce qu'on veut, c'est l'unité du Vietnam, vous regroupez le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, on veut un seul, alors que lui, il voulait séparer la Cochinchine. Et puis, évidemment, il ne voulait que l'indépendance, entendre parler d'indépendance, et non pas entendre parler de, au fond, de tout ce qui est alliance française, même s'il reconnaissait que, finalement, la langue française, moi, ils me l'ont redit, Phan Van Dong me l'a redit, la langue française était pour eux particulièrement importante, et surtout la formation qu'ils avaient reçue de la France. Voyez, et donc, je termine par là, hein, j'avais, lorsqu'il était encore au pouvoir, mais j'avais pris trois expressions très nettes, quoi. Alors que, si vous voulez, la guerre n'est pas terminée, il déclare à plusieurs reprises, un peu partout d'ailleurs, sa volonté de réaliser l'unité de l'Empire, voilà, et il englobe l'Indochine, le Vietnam. En 1943, il l'écrit même au général Catroux, hein, qui était avant Decoux. Il insiste dans un discours prononcé à Alger le 14 juillet 1943, envers et contre tout, il y a aujourd'hui un empire français réuni, dont les ressources et les derniers sont au service de la France. Et dans un discours prononcé à Brazzaville en 1944, le 30 janvier, il dira, eh bien voilà, pas une seule minute, les combats n'ont altéré la fidélité des colonies. Elle a trouvé son recours, la France a trouvé son recours et sa base de départ pour sa libération. Il y a désormais de ce fait entre la métropole et l'empire un lien définitif. Et ça, ça ne peut pas marcher. Et vous savez, c'est très curieux ce rapport que j'ai avec le Vietnam. C'est pas simplement parce que ce parent avait été fait prisonnier par le Viet Minh, son épouse également blessée avait été arrêtée par le Viet Minh puis libérée, elle avait un gosse dans ses bras. Donc je vais aux États-Unis, je rencontre ce monsieur, et j'avais curieusement, et je crois que c'est ça qui m'a le plus étonné, c'est que j'ai lu, je le cite peut-être là dans l'exposé que j'avais fait, dans le document que j'avais fait, j'avais lu très tôt, vous savez, quand j'étais en philo dans les années 57, j'avais un professeur de philo, au lieu de nous enseigner, alors que c'était le bac, au lieu de nous enseigner la psychologie, la métaphysique, la morale, tout ça, il nous parlait de Trang Duc Tao. Voilà. Trang Duc Tao, Trang Duc Tao, Trang Duc Tao. Alors, je sais que c'est un grand philosophe vietnamien, donc moi j'ai voulu à l'époque voir un petit peu de quoi parlait Trang Duc Tao, et j'étais effectivement tombé sur ses écrits qui parlent d'Ho Chi Minh, de la personnalité d'Ho Chi Minh, et en particulier qui parle finalement qui fait un parallèle entre la vision du général de Gaulle en ce qui concerne la Grèce, Platon, Xénophon, les lois spéciales, les circonstances, le rôle des circonstances, pas seulement dans la guerre, mais pour toute situation, les circonstances, et puis la vision confucéenne d'Ho Chi Minh et des Vietnamiens qui, eux, parlent de vertus et d'attitudes que l'on doit avoir en fonction des circonstances. Ben, c'est vrai, c'est le rapport aîné, cadet, etc., etc.
Et bon, et voilà ce que je voudrais essayer de faire. Alors, je l'ai fait dans mon article, mais d'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus soutenue. Mais je voudrais qu'on essaie de ne pas toujours percevoir l'opposition à la France simplement du point de vue français. Je voudrais qu'on arrive à équilibrer des deux côtés et voir pourquoi les gens qui se sont opposés, pourquoi ils l'ont fait, comment ils pensent, et on s'apercevrait que souvent, si des mythographes s'employaient à traiter de ses adversaires, ils trouveraient des choses tout à fait passionnantes et intéressantes à dire. Voilà, désolé, voilà, mais c'est très difficile en un quart d'heure de balayer tout le Vietnam. Voilà. Oui, bien entendu. Et je vous remercie infiniment d'avoir réussi cette gageure, justement, de traverser la question, au moins par aperçu, en si peu de temps et en vous tenant tout à fait bien dans les temps donnés. Je vous remercie vraiment. Alors, nous allons peut-être pouvoir rattraper la frustration de chacun sur les différents sujets qui ont été abordés et qui nous font voir que les raisons de la séparation et des désirs d'indépendance reposent sur des bases très protéiformes dans les différents sites qui ont été explorés cette fois-ci. Je vais pour la suite de la discussion qui nous tiendra jusqu'à 15h45 passer Venez voir la mon parole. panier. Oui, passer la parole à Philippe Diest qui est maître de conférence en histoire à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université catholique de Lille et qui nous fait l'amitié de mener cette discussion. Merci beaucoup. Il y a déjà une question qui est tombée. Voilà, j'invite les participants, mais également les spectateurs à ne pas hésiter à poser des questions. J'en ai également de côté si personne ne souhaite poser la question. Alors, j'ai une question qui est apparue après la présentation du professeur Coudet de la part d'un spectateur anonyme qui s'interroge sur finalement pourquoi être fier de la francophonie, de la France, alors qu'elle a amené la domination et des choses négatives qui ont encore un impact aujourd'hui. Voilà, donc une question un petit peu large, je pense, qui s'adresse notamment au professeur Coudet, mais également le professeur Sam, voilà, avec un point de vue principalement africain. Je peux répondre à la Oui, question? bien sûr, c'est le but. D'accord. C'est une vieille histoire. Hein. Il y a la domination coloniale, etc. On peut toujours en parler. Et il y a l'héritage de cette colonisation. Je cite juste Senghor, hein, qui, par cette formule connue, dans les décombres de la colonisation, nous avons découvert cet outil formidable qui est la langue française. Voilà, c'est tout dire. Et il y a un autre qui vit ici en France, hein, qui considère que la langue française fait partie du butin de guerre, hein, des Africains, c'est devenu leur langue. Et il le montre aujourd'hui à travers la francophonie, etc., etc. Mais ce n'est pas nouveau, en fait. Je change de registre pour dire, par exemple, qu'aujourd'hui, je change complètement de registre pour dire, si on prend la langue arabe, par exemple, qui est parlée aujourd'hui par un peu plus de 300 millions de personnes à travers le monde, c'était la langue d'un petit peuple, hein, du Proche-Orient, qui va être imposée au gré des conquêtes et qui est devenue la langue de ceux qui la portent aujourd'hui. Je crois que ça fait partie de l'histoire, en fait. Et aujourd'hui, beaucoup pensent, y compris en Afrique, que le français est une langue africaine et que ce sont les Africains qui la défendent, là où parfois même les Français sont dépassés. Donc voilà, pourquoi être fier de la langue française? Je crois que ça fait partie du patrimoine culturel africain et les Africains défendent cette langue au même titre que leur propre langue. Et je disais tout à l'heure qu'au moment des indépendances, ces colonies n'étaient pas obligées de faire de la langue française la langue officielle, toutes. Et pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait pour des raisons certainement qui peuvent être objectives, stratégiques, etc., mais aussi pour des raisons certainement affectives. Je termine juste ce coup de Touré qui était opposé et qui l'a manifesté, opposé à la colonisation française.
était un passionné de la langue française. Lui qui n'a pas fait de grandes études, tout à l'heure, j'allais dire, lui, on présente la décolonisation en Afrique comme une revendication de l'élite africaine formée à l'école française. C'est vrai, mais en même temps, des gens comme Sékou Touré ne prétendent pas faire partie de cette élite, des intellectuels, etc. Il avait une très grande passion pour la langue française. Il était pourtant opposé à la colonisation française. Donc, à la fois, ces gens étaient contre la domination, mais ils n'étaient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nécessairement contre tout ce que la France avait comme projet. Alors, je ne vais pas aller plus loin encore, mais juste une dernière chose. Si on prend la première constitution sénégalaise, je crois que c'est celle de 1962. Si on regarde attentivement, cette constitution fait référence à la déclaration de 1789. C'est quand même curieux. Je comprendrais que le Sénégal indépendant fasse allusion à la déclaration de 1948, la déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, mais faire référence à la déclaration de 1789 dans la constitution du Sénégal indépendant, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est pour dire que ces colonies ont su non seulement s'approprier la langue française, mais aussi d'autres pans de l'héritage français, du système français. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Sam, vous avez quelque chose à ajouter? Je donnerai la parole ensuite à Florence Renucci, donc de l'Institut des mondes africains, qui va apporter également un éclaircissement dessus. Oui, très rapidement, hein, je vais commencer par là où le professeur Koulé a terminé. Le rapport avec la langue française, la mention de la déclaration de 1789 dans la Constitution sénégalaise. Il ne faut pas oublier que les Sénégalais, pendant longtemps, se sont réjouis d'avoir été français avant la Savoie. D'accord? Ça, c'est un. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que les Sénégalais également ont remis des cahiers de doléances lors de cette là. Mais je crois que mais malgré tout, avant d'aller plus loin sur la francophonie, je crois qu'il faut nuancer cet attachement à la langue française quand même, parce que la langue française, à un moment, a été également un élément de la stratégie de domination coloniale. La France a cherché d'abord à assimiler, ça c'est incontestable, et cette assimilation, elle passe dans un premier temps par la langue française, qui est une belle langue, mais qui a été également une langue qu'on a cherché à nous imposer. Et c'est intéressant de percevoir un certain renversement parce que un pays comme le Sénégal, très francophile, très francophone, il n'y a pas plus de 20% qui parlent français aujourd'hui au Sénégal. Et si on reprend la question par rapport à la francophonie, la question de l'anonymat, je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a une interrogation justement de la jeunesse africaine, surtout du rapport de l'Afrique, des pays africains par rapport à la francophonie. En plus de la langue, il y a aussi cet aspect culturel, cette dimension culturelle de la francophonie qui est tout à fait négligeable. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine a le sentiment que tout en s'inscrivant dans cette communauté universelle tant chantée et louée par le président Senghor, il faut qu'on soit africain d'abord par nos langues, par nos cultures, et ensuite s'ouvrir à la France comme d'autres pays. Donc voilà très rapidement les éléments que je voulais également partager. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Madame Renucci. Oui, merci. En fait, c'était pour poser des questions aux collègues. J'en profitais comme il y avait un petit. Une question pour Yamar Sam qui était sur Val-d'Hyundai. Il me semble que récemment, le président sénégalais a dit qu'il était pour la réouverture de son et l'étude de son procès.
liée au procès de Dia, etc. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a un mouvement plus général en ce moment et qui est lié aussi finalement à votre intervention, enfin peut-être que vous inscrivez là-dedans, sur plus généralement savoir exactement ce qui s'est passé avec Dia, etc. Voilà, c'était la première question. La deuxième question est pour notre autre collègue. C'est très intéressant les choix qui sont faits au moment des indépendances, en fait, et en particulier la Guinée, donc, qui était en chef de file de cette indépendance. Et je vous avez parlé de la langue, je vois aussi hein, les éléments stratégiques qui peuvent rentrer en compte, etc. Je voudrais savoir si, pour les questions juridiques, les choix opérés aussi, est-ce que vous avez des éléments sur pourquoi faire tels arbitrages ou pas, pourquoi garder des éléments du système français ou pas, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des archives sur ça, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites sur ça, ou votre avis personnel, tout simplement. Merci. Merci Madame Renucci, que je salue en passant, que j'ai eu l'occasion de côtoyer lors de mes années Montpellier. C'est vrai que l'ouverture plus globalement des procès des événements de 1962 est comme un serpent de mer. Je parle sous le contrôle du professeur Bernard Durand qui connaît très bien également ces questions-là. C'est souvent agité, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'acte concret posé dans le sens justement de rouvrir ces procès qui concernent entre autres Valdir Dondiaye, mais également le président du conseil de l'époque, le président Mamoudou Dia. Mais ce qui est sûr et certain, et moi-même c'est ce qui a motivé mon choix envers la personne de Valdir Dondiaye, c'est qu'aujourd'hui il y a une demande justement de mémoire envers ces personnes-là qui ont contribué de façon décisive à construire aussi bien la nation sénégalaise, mais également poser les premiers fondements d'un État sénégalais. Je vois une question, par exemple, de M. Anchoué qui demande pourquoi ces tentatives d'inscription dans la Constitution du droit à l'indépendance. C'est justement parce que là, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était acquis que les indépendances étaient inéluctables. J'ai évoqué le congrès du PRA en 1958, il y avait également le Rassemblement démocratique africain. C'était des mouvements qui avaient réussi une sorte de maillage quasiment de tout le continent, en tout cas au moins dans sa partie francophone, et qui justement étaient en demande d'une indépendance immédiate, idéalement, et une indépendance qui permettrait, qui ne signifierait pas une rupture entre la France et ses anciennes colonies, mais un rassemblement dans un cadre qui leur permette de traiter en alter ego, en nation souveraine. Voilà. Et puis ça, alors, il y a Alix Chio qui a une question, principalement pour le professeur Koudé, donc justement à mon avis pour continuer un petit peu votre réflexion, donc, et qui souhaite savoir, donc, connaître les facteurs internes qui expliquent que l'indépendance de la Guinée ait précédé toutes les autres. Et est-ce que cette indépendance a été déterminante, une sorte d'exemple par rapport à l'indépendance des autres États, des anciennes colonies françaises? Oui, alors c'est un aspect que je n'ai pas pu élucider tout à l'heure. Incontestablement, l'indépendance guinéenne va inspirer les autres au-delà des colonies françaises, va inspirer le reste de l'Afrique, surtout que la Guinée indépendante va immédiatement déclarer qu'elle ne serait jamais véritablement indépendante tant que les autres peuples africains seraient sous domination coloniale. Et donc, la Guinée va servir un peu de quartier général des mouvements de libération nationale, un peu comme l'Éthiopie, la Tanzanie plus tard, etc. Donc, l'indépendance de la Guinée non seulement a inspiré, mais la Guinée indépendante va se donner, entre autres, pour objectif, comme pour mission, de soutenir les autres peuples en lutte pour leur autodétermination. Alors, la question comporte aussi un autre volet qui demande si les facteurs externes expliqués en eux-mêmes cette indépendance
de la Guinée avant les autres. C'est pas exactement ce que j'ai voulu exprimer, c'est-à-dire que bon, j'ai emprunté une voie descendante hein, pour aller du contexte mondial, régional, sous-régional et guinéen. Si la Guinée a pu obtenir son indépendance un tout petit peu avant les autres, parce que la différence, elle est mince hein, en termes temporels, puisque c'était juste un an et demi environ avant les autres. Si on prend le Cameroun, c'était juste un an pile pratiquement, un an 2 mois après la Guinée. Donc, je crois que la sensibilité guinéenne y est pour quelque chose, c'est ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, à savoir que le passé d'un peuple de résistants, d'un ancien empire qui a une certaine fierté de lui-même, mais aussi la personnalité de Sékou Touré qui est particulière. Et donc, tout ça fait, et j'ai aussi inscrit ça dans un contexte, le golfe de Guinée, de mon point de vue, en faisant référence au Ghana, à la Sierra Leone, au Libéria, etc., c'est une région qui avait une certaine sensibilité politique due à ce mouvement dit panafricaniste, qui est un mouvement importé d'ailleurs de la diaspora. Et donc, la région était suffisamment agitée et ces panafricanistes qui étaient dans l'ancien Gold Coast, etc., se considéraient même comme des missionnaires parce qu'ils se dispersaient dans la région pour prôner cette unité de l'Afrique, pour faire face à la domination étrangère, etc., etc. Donc, si je dois dire en une phrase, c'est qu'effectivement, les facteurs externes, qu'ils soient mondiaux ou africains, ont été déterminants, mais il y a la sensibilité du peuple guinéen qui a complété et qui a fait que les choses se sont passées de cette manière-là. Merci beaucoup. Alors, il n'y a plus de questions. Alors, moi, j'aurais deux questions. Alors, une première, principalement au professeur Sand, donc, qui évoque que le nom de Ndiaye n'a pas été suivi, en tout cas, n'a pas renversé, été traduit au niveau de l'élection, en évoquant le poids de l'administration coloniale. Or, quand on regarde justement, excepté le cas particulier de la Guinée, les résultats du référendum de 1858 ressemblent à un plébiscite partout dans les colonies, un plébiscite dont Napoléon III aurait sans doute rougi vu ses taux de réussite. Donc, je voulais demander, est-ce que, alors, question compliquée, est-ce que dans d'autres pays hors de la Guinée, on a ces exemples d'influence de l'administration coloniale pour renverser justement, enfin pour inciter les électeurs à voter oui au référendum. Alors, il faut croire que ce qui s'est passé au Sénégal, hormis la Guinée, fut une certaine singularité qui vient après le Maroc, la Tunisie en 1956. Au Sénégal, il faut savoir que la chefferie traditionnelle religieuse sénégalaise était très imprégnée de politique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une personnalité qui était en train d'émerger à l'époque, Léopold Sédar Senghor, qui était, c'est vrai, pour une indépendance, je le cite, qui était favorable à l'indépendance immédiatement, comprenne qui pourra. Mais c'était un personnage qui avait su tisser de vrais liens avec la chefferie traditionnelle et religieuse, donc qui a pu servir de relais à l'administration coloniale pour les sensibiliser, qui sont en quelque sorte des grands électeurs, qui ont pu sensibiliser à leur tour leurs disciples, pour ce qui est des chefs religieux, les habitants des zones rurales, pour ce qui est des chefs de canton. Donc, on a pu au Sénégal, sans difficulté, arriver à un résultat en faveur de la communauté française. Et il faut croire que le même résultat, la même méthodologie a fait a fait, pardon, ses preuves également dans les autres colonies africaines, puisque, hormis le cas de la Guinée, sauf erreur, tous les autres pays africains ont accédé à l'indépendance en 1960. Après, il ne faut pas oublier Félix Houphouët-Boigny avait également beaucoup de poids politique en Afrique francophone et que son RDA, le Rassemblement démocratique africain, n'était pas favorable à une indépendance
en 1958. C'est ce qui explique qu'on a eu des indépendances plutôt à partir des années 60. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant de poser ma deuxième question, je vois que le professeur Jean-François Petit souhaite donc interroger le professeur Couté donc sur le rôle linguistique de Joseph Kisserbo et la fondation du CAMES. Donc, est-ce qu'il vous serait possible un petit peu de développer sur cet aspect-là qui semble important en fait pour expliquer cette décolonisation culturelle peut-être à relativiser. Personnellement, j'attache de l'importance au phénomène culturel. Je pense que le professeur Coudet pourra nous expliquer aussi un peu plus ce qui se joue, parce que Sékou Touré lance un appel à tous les intellectuels à le rejoindre, hein, très, très, très précisément, et Joseph Kisserbo, dont je connais mieux l'héritage, et sa femme se porte volontaire avec un certain nombre d'autres pour prendre le relais justement des enseignants français et pour enseigner le français. Bon, il faut savoir que Kisserbo est quand même quelqu'un qui a une carrière universitaire extraordinaire. Enfin, bon, tout le monde connaît l'histoire qu'il a pu mener à l'UNESCO sur l'Afrique, mais Kisserbo, c'est 1958-1960 hein, pour ce qui concerne sa phase guinéenne. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui se passe aussi dans la constitution d'une ère linguistique, avec quand même, chez certains, la volonté plutôt de promouvoir un bilinguisme ou un multilinguisme? Oui, je disais que par rapport au rôle spécifique du professeur Joseph Kisserbo à cette période-là, c'est plutôt une information que je reçois parce que je n'en ai pas véritablement connaissance. Maintenant, pour la politique prônée par ces États pour le bilinguisme ou le multilinguisme, alors c'est vrai que je disais tout à l'heure que tous ces États vont accéder à la souveraineté internationale en faisant du français la langue officielle. Je n'ai pas connaissance, à l'exception d'une parenthèse malgache, je n'ai pas connaissance d'une ancienne colonie, et à l'exception peut-être aussi des pays d'Afrique du Nord qui vont faire de l'arabe la langue officielle au même titre que le français, sinon la seule langue officielle. Je n'ai pas connaissance au niveau de l'Afrique subsaharienne, exception faite donc de Madagascar, d'un pays qui va dès le départ faire de l'une des langues africaines une langue officielle au même titre que le français. Je n'ai pas tous les éléments explicatifs. Est-ce que c'est parce que dans la plupart de ces pays, il y a plusieurs langues en même temps et qu'aucune langue n'est une langue dominante au point de s'imposer comme langue officielle à côté du français? Je ne sais pas. Ou bien est-ce pour des raisons strictement stratégiques, c'est-à-dire que le français était en même temps un outil, puisque la préoccupation de ces États africains nouvellement indépendants, on peut le constater au travers de leur adhésion immédiate à l'Organisation des Nations Unies. Au lendemain de leur indépendance, la première des choses à faire, ce qui pouvait se comprendre, c'était de demander leur adhésion à l'Organisation des Nations Unies. Or, la langue française, l'héritage français dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine constitutionnel, etc., pouvait ou a servi en même temps d'outil dans cette stratégie de positionnement sur la scène internationale. Je disais tout à l'heure que le Sénégal va citer, par exemple, la déclaration de 1789 dans sa constitution, mais c'est tout cet héritage-là que ces États vont juridiques, politiques, institutionnels qui vont se l'approprier. Et donc, quelque part, le français devient un outil important pour leur permettre de se positionner sur la scène internationale. Et puis, ça a été dit par presque tout le monde depuis ce matin, cette indépendance a été quand même portée presque entièrement par une élite africaine formée à l'école française. Et donc, ces gens ont un lien particulier, charnel, avec la langue française. Et donc, cela va de soi que le français soit privilégié. Mais maintenant, aujourd'hui, ou depuis en tout cas un certain temps, il y a une volonté, et ça, c'est avec l'appui aussi à la fois de la francophonie, de l'UNESCO, etc., de promouvoir non seulement la langue française qui reste majoritairement la langue officielle, mais de promouvoir aussi les langues nationales.
avec le concours de la France. Hein, je disais tout à l'heure, dans le cadre de la francophonie, c'est ce que la francophonie dit officiellement, clairement. Ce n'est pas seulement la promotion de la langue française, mais aussi la promotion de la diversité linguistique et donc des langues africaines également. Alors, il y a des exceptions. C'est le cas de mon pays, le Tchad. Le Tchad est parti à l'indépendance en 1960 avec, là aussi, comme langue officielle le français. Mais maintenant, pour des raisons politiques et pour des raisons d'influence diverses, le Tchad a connu une longue période de conflits armés, opposant, grosso modo, si je simplifie les choses, hein, le nord au sud. Et en 1978, au moment des accords de paix, l'opposition militaire de l'époque a exigé l'intégration de l'arabe comme langue officielle au même titre que le français. Et donc, officiellement, le Tchad est devenu un pays bilingue depuis 1978, mais ce bilinguisme ne prend véritablement pas ancrage. C'est-à-dire que l'arabe a du mal à s'imposer au Tchad parce que ce n'est pas la langue que tout le monde parle. Il y a deux types d'arabes. Il y a l'arabe populaire, ce qu'on appelle le darjia, que tout le monde presque parle du nord au sud pour vendre, voyager, commercer. Bon, voilà. Et il y a l'arabe de l'élite, c'est-à-dire l'arabe littéraire que très peu de personnes comprennent. Donc, officiellement, quand vous voyez la présentation du Tchad, on dit c'est un pays bilingue avec deux langues officielles, le français et l'arabe. Mais dans la réalité, c'est le français qui est véritablement la langue officielle, administrative, etc. C'est rare de voir l'arabe s'imposer à ce niveau-là. Voilà, c'était une petite parenthèse pour souligner cette spécificité du Tchad. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Monica Cardillo. Oui, merci beaucoup Philippe. Oui, je voulais juste effectivement rebondir sur cette question des continuités de la langue et même du droit. Hein. Florence a posé la question relativement au droit, c'est-à-dire effectivement, moi je l'ai vu dans ma thèse, il y a eu une continuité juridique, une reprise du droit colonial, c'est ce qui nous impose aussi la question de nous interroger qu'est-ce qu'on entend, comment peut-on définir aujourd'hui aussi le droit africain? Si on observe et si on lit les travaux, même d'anthropologie juridique, et je pense notamment à un juriste italien qui s'appelle Rodolfo Sacco qui a longtemps travaillé en Somalie et qui donc il se pose cette question de savoir pourquoi il y a eu cette continuité à la fois linguistique, juridique, politique, et il répond en affirmant que finalement, la question qui s'est posée aux nouvelles classes politiques était la suivante. Qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage colonial? Donc, est-ce qu'on va tout effacer, on va revenir en arrière à ce qu'était notre savoir et notre savoir juridique ou culturel avant la colonisation? Sauf que tous ces savoirs ont été fortement perturbés par la colonisation même, perturbés, mais en même temps, il y a eu aussi des arrangements juridiques, etc. Donc, soit c'était un effacement total et global, soit alors on va rester dans cette vague d'un droit, d'un système politique qui renvoie aussi à la notion du progrès, à la notion du développement, etc. Et moi, je pense également enfin, ces discours d'Albert Sarraut. Qui m'avait beaucoup étonnée lors de mes recherches doctorales et que je retiens parce que c'est un discours qu'il tient en Indochine en 1918. Et là aussi, la question de la langue est posée. Donc, on est en 1918, donc juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, Albert Sarraut, qui sera dans les années 30 ministre des colonies, il dit que les colonies sont des États en devenir. Donc, déjà, il se pose la question il envisage cette idée justement des indépendances. Il le dit clairement dans son discours, il dit que la volonté du pouvoir de l'État, donc de la France, est d'amener les positions françaises à une forme d'autonomie, voire même d'indépendance administrative, au sein d'un système mondial où l'on parle la langue française, où la monnaie française reste un pivot. Et enfin, où la métropole, faisant l'économie des gestions politiques, administratives et politiques des anciennes colonies, ne profite plus que des avantages économiques d'un négoce mondial centré sur elle. Et donc, c'est là, cette pensée résume
comment dire, au titre de son ouvrage, c'est-à-dire le profit sans la, la contrainte, c'est-à-dire la grandeur sans la servitude, qui sera son, son ouvrage qu'il publiera. Donc c'est vrai que la question de la continuité me paraît quand même la question de l'indépendance, des indépendances, des décolonisations, et je l'avais d'ailleurs mis en avant dans, mon, dans, dans mes idées initiales de ces journées, se pose déjà à la fin de la Première Guerre mondiale. Et voilà, et donc elle trouve une certaine réalisation, une certaine concrétisation au moment justement des indépendances. Voilà, je voulais juste apporter cette, cette réflexion. Merci. Mais, merci beaucoup. Alors, il y a encore une question, et après je redonnerai la parole évidemment au, au président de séance. Donc, question de Serge Anchoué qui pose la question des conseils de gouvernement du Niger et de Djibouti qui auraient voté pour le non donc, lors du référendum de 1958. Alors, est-ce vrai? J'ai déjà une partie de réponse parce qu'une collègue spécialiste précise que Djibouti, non, va rentrer dans, dedans et va être une des dernières colonies justement à prendre son indépendance en 77. Mmh. Et pour le reste de la question, existe-t-il des sources le prouvant? Et ainsi, ce qui est sous-entendu, c'est quel est le rôle des conseils de gouvernement dans le vote sur le référendum? Donc ça, à mon avis, ça, on est toujours dans l'interrogation finalement sur le rôle de, des institutions pour influencer le vote. Je réponds si vous voulez. Oui, oui. Non, parce que le cas sénégalais, il y a un cas qui est assez proche, qui est le cas du Niger, de Djibo Bakary, et du Sawaba, le parti qu'il représente, qui est en rupture avec le RDA d'Oufouette, puisque Oufouette, effectivement, prône le oui. Le RDA, comme une partie des leaders sénégalais, prône le non pour une indépendance immédiate, mais avec une association avec la France. Et l'administration coloniale va se déchaîner, en quelque sorte, d'une manière très simple. On va changer le haut commissaire au Niger, mettre à nouveau Don Jean Colombani, qui sera très efficace. On fera tourner également l'armée dans les zones qui sont plutôt réputées favorables au Sawaba de Djibo Bakary et au non éventuel, pour essayer d'impressionner, ce qui marchera assez bien. On jouera aussi sur les chefs traditionnels, et au final, c'est comme ça que les autorités coloniales emporteront le oui dans cette zone. Et ensuite, Djibo Bakary, à la fin de l'année, sera, bon, par différentes manœuvres politiques, déposé, devra démissionner de la présidence du Conseil, et quelqu'un d'autre le remplacera, qui, en l'occurrence, tiendra le pays pendant plusieurs années. Merci beaucoup pour cette réponse très, très claire. Alors, il n'y a plus de questions, donc je vais redonner la parole au président de séance. Merci, cher Philippe. Je crois que le professeur Koudé avait peut-être aussi un élément de réponse. Non, mais en fait, je voudrais juste apporter un petit complément à la question de la continuité juridique, hein, de l'héritage colonial. J'ai évoqué un tout petit peu la question tout à l'heure, à savoir que bon, dans certaines circonstances, l'héritage de la colonisation, que ce soit au niveau linguistique ou juridique ou autre, devient en fait un facteur d'unité nationale. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la colonisation, nous savons bien que les choses ont été en grande partie décidées lors de la fameuse conférence de Berlin de 1884-85, et donc on va créer des entités politiques qui ne tiennent pas compte nécessairement de la, des réalités politiques existantes. Je prends un exemple, l'état du Tchad actuel, c'était c'est un vaste territoire grand comme deux fois, un peu plus de deux fois la France, et à l'intérieur de ce Tchad-là d'aujourd'hui, il y avait plusieurs empires et royaumes, et on va fondre tout ça dans un territoire militaire qui va devenir une colonie plus tard. Or, ces entités politiques avaient des traditions juridiques, politiques extrêmement différentes, collaboraient entre elles de différentes manières, mais il n'y avait pas d'unité en tant que telle. Le Tchad actuel est une création, que ce soit le Tchad, le Mali, ce sont des créations de la colonisation. Donc, comment faire? Lorsqu'on va accéder à l'indépendance, en adoptant le système juridique issu de la colonisation, quelque part, c'est le moyen pouvant permettre de transcender ces différentes traditions juridiques existantes fondées
sur la tradition musulmane pour le nord du pays, fondée sur les traditions ancestrales africaines pour la partie méridionale, etc. Et d'ailleurs, la question se pose aujourd'hui encore dans certaines régions du Sahel, et notamment le cas du Tchad. Par exemple, il y a une pratique en matière pénale qui s'appelle la dia, c'est le prix du sang. Donc, quand vous commettez, c'est une sorte de loi du talion, hein, quand vous commettez un crime, pour ne pas subir la vengeance du clan victime, vous êtes obligé de verser une compensation financière. Ça s'appelle la dia en arabe. Et le problème, c'est que ce système de dia est issu d'une tradition qui n'est pas partagée par tous les Tchadiens. Tous les Tchadiens ne sont pas des musulmans, et moi, je suis encore adepte de la dia. Comment faire lorsque le conflit oppose une personne de tradition musulmane et une autre personne de tradition chrétienne ou de tradition autre? Et alors, c'est là où le droit national, qui est issu de la colonisation, devient fédérateur. C'est celui qui devient l'arbitre. Et le constat que l'on fait dans la plupart des systèmes juridiques, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'un pays comme le Tchad n'arrive toujours pas à se doter d'un code de la famille, simplement parce qu'on ne sait pas comment procéder, c'est compliqué. Vous n'arriverez jamais à... Alors, jamais, je ne peux pas dire, mais en tout cas, on a du mal à mettre les Tchadiens d'accord sur la base de leur tradition juridique extrêmement complexe et variée, à les mettre d'accord pour ce qui concerne le statut des personnes, etc., etc. Donc, le droit issu de la colonisation, le droit moderne, donc, voilà, devient le moyen de transcender ces différences. Et c'est ce qui fait qu'on observe dans la plupart des constitutions, des lois de ces pays-là, une disposition qui est récurrente, qui consiste à dire, grosso modo, que les coutumes, nous sortons d'un colloque sur l'autorité du droit coutumier, où Monica a participé également, les coutumes locales, donc, sont reconnues par la loi nationale, mais seulement leur autorité n'est valable que dans les localités où elles sont dominantes. Cependant, la loi prévoit généralement qu'en cas de conflit entre la norme coutumière et donc locale et la norme nationale, que primauté est donnée à la loi nationale. C'est une façon aussi d'éviter toutes ces difficultés et qui sont récurrentes en fait. Et donc, je voulais ajouter cet élément juste comme une possible explication du maintien et même de la promotion du droit issu de la colonisation qui, quelque part, permet de régler énormément de problèmes. Et cela n'est pas valable que pour les pays africains. Il me semble que c'est le cas aussi un peu ailleurs, mais je ne sais pas, je n'en sais pas, c'est pas davantage, je ne pourrais pas m'avancer. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président beaucoup. De séance. Merci, Monsieur Diest, d'avoir mené cette discussion tout à fait équitablement. Nous avons atteint nous avons consommé le temps qui nous était donné pour la discussion et pour ne pas mettre en retard la suite de la journée, ni priver ceux d'entre nous qui en auront besoin d'une pause. Nous allons terminer donc cette session par des remerciements très appuyés à messieurs les professeurs Koudé, Sambe et Durand, avec un petit regret que nous n'ayons pas eu l'occasion de revenir sur le Vietnam qui, évidemment, est excentré par rapport au cœur du colonialisme et à l'immensité du colonialisme français en Afrique, c'est assez compréhensible, mais qui présente tout de même, et le professeur Durand en a donné un aperçu, un exemple extrêmement intéressant. Voilà, je ne prends pas plus de temps sur votre pause et je remets les clés de cette présidence à Monica afin qu'elle nous indique la suite de la marche. Merci beaucoup, Michel et Marzel. Nous avons une petite pause avant donc de répondre à 16 heures. Donc voilà, je vous propose de nous arrêter 10 minutes jusqu'à 16 heures avant de répondre avec la deuxième session de l'après-midi. Très bien. OK. Ben donc, du coup, rendez-vous à 16 heures. Merci. Petit pause café, même si on ne peut pas vous l'offrir, obligé de le faire vous-même, on est désolé, mais voilà. Rendez-vous dans 10 minutes. Merci.